Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage du jour. Oui, presque tous les jours. Hein. Et puis alors moi, en mois de janvier, ça va être tendu. C'est-à-dire tendu comme un string, non. Non, on n'est pas... parce que on se retrouve, je le rappelle, cette émission est enregistrée en live sur Twitch. Alors au début, on fait les cons avec ceux qui sont là, mais à un moment, qui sont très clients en plus. Hein. Après, on fait les encore, après, on arrête l'enregistrement, et après, on fait les cons encore avec ceux qui sont là, qui sont très clients aussi. Mais, mais voilà, donc là, c'est l'enregistrement, c'est sérieux. On déballe un produit qui nous était envoyé, en fait, que j'avais vu sur Internet et qui me plaisait plutôt pas mal. Hein. Voilà. Donc, alors, petit déballage, c'est... Tadam on dirait un vibro, hein, un peu, hein. Mais non, je vous promets que non, trop petit. Quoique si, ça existe, non, j'ai vu des... Il paraît, enfin, on m'a raconté qu'il y en a qui ont vu des films, et il y en a des petits comme ça. Attends, je vais essayer de pas me couper un doigt avant Noël. Joyeux Noël. Alors, c'est un produit de la marque One Audio. Et comme tu l'auras compris un petit peu sur la vignette, il y a un module qui se met sur le téléphone en USB type C, ça c'est trop génial, et un module qui se met en mode cravate ici. Alors c'est exactement, j'en vois plein, alors je sais pas si vous comme moi, mais j'en vois plein sur Instagram des gens qui ont des, pas celui-là, mais qui ont des trucs un peu dans le genre. Et je me dis putain c'est génial puisque, bah voilà, on n'est pas obligé de passer par la prise jack, on n'est pas obligé de bricoler un truc ou de le mettre en Bluetooth, on le met simplement en USB type C. Alors ça tombe bien parce que j'ai un téléphone USB type C, mais ça vous verrez pas, j'ai un iPad, j'ai un peu tout et c'est pas mal. Alors dans la boîte on a la pochette, ok, plein de cartons comme d'habitude, hein, je veux dire voilà, sauver la planète. On a un câble USB vers USB type C, là c'est normal, et on a un petit micro cravate à mon avis qu'on va mettre ici, et on a un module qu'on va mettre là. Alors en théorie, ça devrait marcher tout seul plug and play, hein. Ça veut dire que là, une des promesses qui sont faites sur le truc, c'est que on le branche en USB, on allume le micro, c'est tout, et ça fonctionne. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'il va essayer? Bah ouais, attends, tu rigoles ou quoi? Bien sûr. Attends, j'enlève mes lunettes parce que j'y vois que dalle. Introduction. Ok, donc l'introduction, merci d'avoir acheté le produit. Le micro, il y a un bouton power on off ici. How to use, to connect USB type C. Mettez le truc, donc après attendre qu'il soit bien reconnu. Donc nous, on va le mettre sur le Mac directement. Allumer le micro, ok. Et indicateur va clignoter. Et voilà. Et alors, ils me disent, alors en même temps, il y a un truc qui est pas mal. Vous avez vu la connectique qui est ici. Alors le micro, vous voyez, il est là. Là, on est bien, ok. Là, de l'autre côté, il y a la prise USB type C. C'est-à-dire que tu peux pouvoir le recharger. Et oui, tu vas pouvoir recharger le téléphone en même temps. Parce qu'imaginons que tu as un téléphone et que tu n'as plus de batterie, bah tu vas pouvoir le plugger directement dessus. On a vu, ça va recharger l'appareil qui va recharger le téléphone. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ok. Bon, ce qu'on fait, on va essayer. Mis comme ça là-dessus. Ok. Là, et après, je peux lancer un enregistrement vocal, par exemple. Outils. Ok. Donc là, on est sur un enregistrement. Attends, je vais essayer de mettre le téléphone super, super loin pour être sûr que ce soit un enregistrement vocal et tout, mais... Non, ça a l'air pas mal de faire si je mets le téléphone... Je sais que je pourrais mettre le téléphone là-haut, regarde. Mettre là-haut, regarde. Mets le téléphone là-haut. Ici, on va se mettre avec le micro. Donc là, on fait un test. Voilà, donc là, le téléphone, il est super loin. C'est pas possible qu'il m'entende. Voilà, pour être sûr que ce soit bien dans le micro. Et ça permet de voir un peu, enfin surtout d'entendre un petit peu la qualité audio de ce téléphone-là. Au pire, avec le montage, j'aurai un fichier audio. Je pourrais vous la réincruster dessus au montage et tout. Ça va être trop bien. Ou pas. Non, c'est, je trouve ça assez intéressant. Alors, je vais mettre ça là. On refait un deuxième. Voilà. Je remets chercher le téléphone. Hop là. Hop, c'est une vraie gazelle. Voilà. Donc là, je remets le téléphone. Il est toujours en mode. Oui, il est toujours en mode enregistrement. Ça fait une petite minute. Voilà. Ça permettra de voir et d'écouter surtout la qualité de ce micro. On va arrêter ça. Terminé. Ok. Bon, enregistrement de la petite audio. On va mettre en écoute. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, les joies du montage feront que je vais couper les moments où ça n'a pas marché, parce que pour le iMac, ça a bien marché sur le téléphone, donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Et les joies du montage feront que vous aurez la petite audio par-dessus et tout. Mais ça marche plutôt bien, et c'est vraiment plug and play. Alors, sur le Mac, on a bien vu que ça fonctionnait aussi. Alors, malheureusement, j'ai pas arrivé à switcher de mon micro actuel sans couper le live. Il ne l'a pas reconnu. Mais mon Mac l'avait bien reconnu, lui. Donc, c'était bien. Dès qu'on l'a mis dedans, on l'a reconnu. L'intérêt, c'est que ton téléphone, il va le reconnaître aussi plug and play, encore une fois, quand tu vas le mettre dessus. Et tu auras un espèce de petit micro sans fil qui est plutôt intéressant. Alors, il est fait comment celui-là? Il est fait, toi, il y a aussi une connectique USB type C sur celui-là. Une connectique USB type C sur celui-là aussi.
Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien ce produit light, voilà. Et vous allez me dire, et combien pour le chat dans la vitrine? 29,95. Franchement, c'est un très bon prix, puisque, alors, que vous ayez n'importe quel appareil et tout, alors, dès là, on s'offre une caméra, ça, c'est dommage, ouais, remarque, si vous avez une caméra en USB type C, en théorie, elle devrait le reconnaître aussi, mais moi, non. J'ai des vieilles caméras. 29,95 sur leur site. Moi, je trouve ça pas excessivement cher pour un produit qui est plug and play, qui fonctionne bien. Bon, vous aurez vu la qualité audio. Le peu que j'ai écouté là, c'était vraiment très très propre. En plus, il y a une petite mouflotte dessus. Et bah, ça permet voilà, d'avoir une prise de son un peu loin. Mais sur ton smartphone, ton iPad, ton ordinateur, tu veux faire des vidéos comme ça et tout. J'ai regardé sur AliExpress. Sur AliExpress, il est à 28,37€. Donc, il est pas bien, bien moins cher que leur site web. Bon, par contre, sur Amazon, il se touche un peu. Hein. 49,99€. Oui, bon, l'intérêt, là, c'est de tester livraison demain, quoi. Enfin, début janvier, là, entre 3 et 7 janvier. Donc, après, autant la commander sur AliExpress, ça sera, je sais pas si on a des entrepôts en Europe. Apparemment, non. Bon, après, ça dépend, c'est une question d'argent. Ou tu peux les commander directement sur leur site. Donc, moi, je trouve que pour 30 balles, c'est un très bon prix. C'est un produit qui fonctionne, qui peut gunplay, et je pourrais kiffer. Et normalement, faut pas le faire, mais tu peux même mettre le truc... et ça là-dedans, et voilà, ça te surprend. J'aime beaucoup, je suis assez fan. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit-là, si ça vous intéresse. Si vous voulez l'acheter, je vous mets les liens dans la description. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon samedi, un joyeux Noël, parce que là, cette vidéo sera samedi, donc le lendemain, avant le jour de Noël, c'est ça. Et je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, un joyeux Noël. Forcément, je vous kiffe, et moi, après, je retrouve les tipeurs pour un chat endiablé, bien évidemment. Plaisir. Bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe.